Salut tout le monde, c'est Youssef Dupont. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Xbox 360. Donc voilà, je vais vous montrer comment je réalise un lobby sur GTA V par prise de compte. Donc voilà, le lobby va commencer. Juste, je regarde ce que je dois faire dans le lobby. Juste 30 secondes. Voilà. C'est bon, donc voilà, je vais mettre level 130. Donc je vais prendre le mini recovery. Voilà, niveau 130. Je vais mettre silencieux. Donc j'en profite en même temps pour lui mettre le M-Local. Donc voilà, ça c'est le vêtement, le sous-tête custom. Les armes. Voilà, les tatouages. Les vêtements, le véhicule de braquage, le chrome, voilà. Donc là, je vais lui mettre les encarnes illimitées. Feu d'artifice, non ça c'est l'armure, feu d'artifice. Et voilà, tout le reste en bas. La Roosevelt aussi, je vais lui débloquer, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça maintenant. Inventaire, encarnes illimitées. Protection. Par contre, je sais pas, ça se trouve les feux d'artifice. Non, pas grave. Donc voilà, on va lui mettre de l'argent. On va marcher jusqu'au custom, comme ça on aura tout l'argent. Je vais vous montrer en même temps la Roosevelt, etc. Ah, ça c'est Choco Mods. Non. Voilà, Legendary Motorsport. La Roosevelt, elle est juste là normalement. Allez, la voilà. Bref, voilà. Ah là, il y a aussi les véhicules de braquage. Je vais vous montrer ça. Voilà les véhicules de braquage. Faut mettre de l'argent. Donc voilà, niveau 130 c'est bon. Il y a le N-Local, les stats au maximum. Donc là on a combien? 112 millions. On va s'arrêter à 250 millions, enfin 270 millions. Voilà, donc il faut que je fasse quoi encore? Roosevelt. Le call en cas etc, c'est bon. Donc voilà, désolé si je parle pas beaucoup parce que je suis en train de lire en même temps. Donc voilà, petite dédicace à MDS Retro, c'est ton lobby, et je vais le mettre sur ma chaîne. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté de vidéo. Voilà, je vais lui prendre la Sanchez. De lui, je parle pas beaucoup. Il vient de finir de manger, enfin, je suis pas trop bavard. Voilà, je prends la Sanchez. C'est une Sanchez modée. Il y a combien là? 230 millions à peu près. Du coup, je vais lui rajouter encore un peu d'argent. Je vais en ligne. Normalement là ça devrait faire l'affaire. Si c'est bon, ça va.
Voilà, du coup, maintenant je vais custom la moto. Là. Oh merde, j'ai oublié, donc voilà. Le moteur est custom au max. Hein. Voilà. Je vais la ramener. C'est pas grave. Du coup, deuxième véhicule modé, ça va être la enduro. Je sais plus où qu'elle se trouve, la enduro. Je pense qu'elle est là. Elle est là. Là. Ok, il bug. Ok, faut passer un peu de temps, de quoi que la sauvegarde elle se fasse. Au pire, je vais essayer d'en faire spawning directement. Spawn. Véhicule de braquage, enduro. Donc là, déjà custom. Oula. Là. On va sacrifier un véhicule, mec. Une RH8, c'est bon. En plus de ça. Voilà, maintenant on va aller directement faire des tenues modées. On va se mettre à la boutique. Voilà, maintenant on va faire les tenues modées. On va prendre le API intense, on va fermer le mini recovery. La player option, modèle. Ok. Donc spécial 2, on va mettre 59. Oh non. Voilà. Et legs, on va mettre 36. Voilà, on tenait des boueurs, maintenant faut juste enlever ce qu'il y a au-dessus, je sais plus comment on fait. Bon, je crois que c'est torse 2. Ah, c'est ça. Je sais plus c'est combien, 0. Enfin, on veut rien. Ça passe comme ça, non? Si, ça passe comme ça. Voilà, maintenant on va mettre les chaussures. On a les mettre. Shoes. Allez, il descend là. Mets des petites bottes.
C'est pas grave, on va mettre comme ça. Non. Les gars, désolé si je parle pas, franchement, désolé. Je suis concentré. Pas comment je l'écris, éboueur. Voilà, maintenant deuxième tenue. On va mettre la tenue de flic. Tenue flic, ça va être comme ça, donc hats, c'est combien? 47. Legs, 35. Voilà. Spécial 2, 58. Torso 2, 55. Là, il faut aller dans le torso et il faut mettre des bras. Voilà, c'est bon, tenue de flic. Là. C'est bon pour la tenue de flic. On va dans l'inventaire. Comment on fait pour changer de tenue accessoire? C'est bon, pour l'instant on va rester comme ça. Encore le chiffre de la sauvegarde. C'est bon, sauvegarde effectuée. Voilà. Donc maintenant ce que je dois lui rajouter c'est quoi? J'ai mis les deux véhicules modés. Là je vais vous remonter en plus dans le garage et je vous montre une dernière fois ce que j'ai mis. Comment je suis trop chaud. Ah la vidéo elle est assez longue. Donc voilà la moto. Donc on va refaire un petit récapitulatif. Donc voilà niveau 130. Je vais juste voir en même temps ce que je devais mettre. Voilà. Niveau 130. De l'argent, je devais mettre 250 millions. J'ai mis 270 millions. Donc il y a la Enduro de la Sanchez qui est détruite. Deux tenues modées, c'est celle-là. Là, et celle-là, et celle-là. Donc voilà, un local. Il y a les vêtements, tatouage, le Les Custom aussi, il était un look à 100%. Les véhicules de braquage aussi. Je vais vous le remontrer. Voilà, Warstock, véhicule de braquage. Roosevelt. Elle doit être à gauche normalement. Voilà la Roosevelt. Maintenant, il manque protection et Anka. Je vous les remontre une dernière fois. Donc là, les Anka, protection. Donc voilà, le lobby il est terminé. C'était Youssef Dupont pour le lobby de Pro. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Je vous mettrai mon site. Donc voilà, bonne journée à tous.